C'est Icing, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette vidéo Dragon Ball Xenoverse 2 dans laquelle nous allons découvrir le second personnage de nouveau disponible, à savoir la femme cyborg C21. Voilà, qui est le dernier personnage sorti avec Mage Oob. Donc je sais pas si vous avez déjà vu la vidéo que j'ai fait sur Mage Oob. En tout cas, voilà maintenant C21 avec l'entaille savoureuse, la boule de détonation totale, la frappe de photon, Kamehameha de Majin, ruée appétissante, repas excellent, skiff total. Voilà, bah, on va voir ce que ça donne. Je ne veux pas de malheur pour mes proches. Et on va aller, on va se mettre contre C18 par exemple, ça peut être pas mal. Hop, peu importe, comme ça, j'ai envie de dire. Dans l'archipel. Alors, si vous avez déjà testé ce personnage, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, si vous préférez Oob ou bien C21. Voilà, vous pouvez aussi cocher la petite cloche sur une notification afin de ne louper aucune de mes vidéos. Ok. Ah, ça c'est pas mal, ça me dit, hein. Très agréable à jouer. Hop, je vais tenter une petite. Ok, ça c'est la charge. Voilà. Bon, bah, et franchement, je suis assez agréablement surpris. Je vous propose qu'on fasse un deuxième combat pour voir un peu plus les capacités de cette androïde. Mais franchement, bien hypé. J'ai bien aimé jouer avec Oob, mais je trouve que C21 est plutôt intéressante, plutôt agréable à jouer. Hop, on va se lancer un deuxième combat, histoire de pas louper de possibilités, quoi, de bien voir de quoi il en tourne, mais personnage très agréable à jouer. Sur cette première impression, franchement, je la conseille. あんたじゃ私には勝てないよ。
c'est pas du tout, hein, c'est pas mal du tout ça. Oh, ça fait très mal. Ça fait très mal. On l'avait lancé sur le premier combat, donc on a pu voir. C'était aussi sympa. On va essayer. Ouais, alors je préfère la l'autre ultime, mais bon, c'est plutôt agréable aussi. Allez, on va essayer de finir sur la petite boule qui va bien là. Rater. Ouais, et bah franchement, C21, très bonne opinion de ce perso, je vous le conseille. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez de ce personnage, si vous l'avez testé. Voilà, bah je vais vous quitter là-dessus, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, la partager, la commenter, vous pouvez vous abonner à la chaîne bien sûr, et me rejoindre sur Facebook, Twitter, Instagram et Utip pour regarder une pub ou deux et aider gratuitement la chaîne. Ça me ferait toujours plaisir et ça permettrait de proposer toujours du contenu un peu plus intéressant. Voilà, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite que des bonnes choses. Salut les amis, ciao, à plus.